pour entrer dans la salle du trésor, afin d'écrire le mot code et provoquer la chute du trésor, il faut en ouvrir l'accès. C'est le nombre de clés placées dans les serrures qui détermine la hauteur de cet accès. Mais attention, si les candidats non vigilants ne ressortent pas avant sa fermeture, une herse bloque la sortie des tigres, mais provoque la perte totale et définitive de tous les boyards amassés. Il est indispensable pour les candidats d'attraper les 6 clés tombées au milieu du trésor, car une seule d'entre elles ouvre le coffret de la salle du cryptogramme. Voici Passepartout avec Natalia et Stéphane. Alors, vous n'avez pas été sollicité pour le conseil. Je vais laisser, bien sûr, à vos amis le soin de vous dire ce qui s'y est passé. Bah, pas sûr. Sachez seulement que les matières ténèbres sont particulièrement redoutables. Alors, les voici. Alors, Angèle. Alors, ils vont vous le dire eux-mêmes. Non, non, c'est impossible. Je vais pas gagner, toi. Non, dites-moi. On a gagné 15 secondes, Arthur a gagné 15 secondes. Arthur a gagné 15 secondes et voilà. Voilà, bah, écoutez, ne nous étalons pas sur cette histoire de conseil, car en effet, on n'a pas été très brillants. Parlons plutôt de l'avenir, à savoir le fait que les 7 clés sont déjà dans la grille. Ce qui vous autorise à penser, bien sûr, que l'ouverture sera totale. Deuxièmement, vous avez 3 indices. Passepartout, vous les distribuez maintenant. Vas-y, Passepartout. Et 15 secondes supplémentaires, donc, dans la salle du trésor. Félindra, fais rentrer les tigres. C'est parti. Ok, allez, c'est parti, allez. Au décapsuleur. Faites bien l'association entre tous les mots, sortez tout ce qui vous revient par la tête, là. Prise. Le mot prise, premier mot. Blanc. Prise, blanc. La grille solaire. Prise, blanc. Prise, blanc. Prise, blanc. Il y a un mot commun pour tout ça. Ligne d'eau. Ligne d'eau, ligne d'eau. Prise, blanc et eau. Faites un sacrifice. Allez. Ok. Allez. Vite, attends. Allez, j'espère que vous trouverez en 4 là. Prise, blanc. Vite. Prise, blanc. Et eau. Prise, blanc et eau. Blanc et eau. Prise, blanc et gaz. 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 Électricité. Tuyau. Gaz. Prise, courant. Gaz, c'est quoi? Je te prends celui-là. Le mot gaz. Gaz. Prise, gaz, eau, blanc. Sacrifice, sacrifice. Allez. Blanc, vite. Prise, eau, blanc et gaz. Bec. Bec de gaz, bec d'eau, non. Allez. Si. Chef, non, lièvre. Lièvre. Bec de lièvre. Bec, sûr de vous. Répartissez-vous bien les lettres et allez sur le damier. Prise, lièvre, gaz, eau, blanc. Tournez-vous vers la grille. Félindra, tête de tigre. Allez, arrachez toutes les 6 clés. Allez, chargez en pièces, hein. Et un maximum de boyards. Et de la méthode. Et commencez à faire des allers-retours. Oui, Stéphane, c'est une bonne idée. Attention de ne pas tomber dans les escaliers. Ne glisse pas. Je suis responsable de toi. Allez, des allers-retours là. Mettez-vous en côté déjà. Allez. François, c'est pas en une fois que vous allez y arriver, donc mettez-en un maximum de côté. Allez, Arthur, Stéphane, mettez-en de côté, retournez-y. Allez. Non, vous avez perdu un peu de temps pour trouver le faux code. C'est ça qui vous a pénalisé. Non, écoutez, vous inquiétez pas. Bon, il y a une chance de récupérer les boyards dans le coffret avec des clés. Nous allons le savoir dans un instant. Allez, à la pesée. Mettez-vous là. Allez, à la pesée. On n'a rien ramené du tout, là.
Bon, allez, je sens que vous êtes un peu dépité, ne le soyez pas. Sur le fort, rien n'est jamais joué jusqu'au bout. On attend la pesée pour savoir exactement ce qui va se passer. Revenons d'abord sur ce fameux mot qui vous a posé problème devant la grille de la salle du trésor et qui vous a demandé, malheureusement pour vous, deux sacrifices. Alors, à l'évocation de prise, c'est vrai que c'était pas simple d'envisager le mot bec, B-E-C. Et pourtant, une prise de bec est bel et bien une dispute sans gravité. Pour ce qui est de blanc, Blanc-Bec est un jeune homme, sans expérience et sûr de soi. Pour ce qui est de l'eau, avoir le bec dans l'eau signifie être dans l'attente, dans l'indécision. Le gaz, pour le bec de gaz, bien sûr, qui est un réverbère à gaz qui éclairait nos villes au 19e siècle. On s'en souvient comme si c'était hier. Bien, oui. Et le lièvre, pour un bec de lièvre, qui est une petite fissure de la lèvre supérieure, présente chez certains nouveau-nés. Voilà donc pour ce mot bec. Qu'en est-il maintenant de ce coffret récupéré au cryptogramme? 4 d'entre vous seulement étaient présents dans la salle du trésor, ce qui veut donc dire que seulement 4 clés seront tirées au sort maintenant. Passepartout, je t'en prie, propose ces clés à nos amis. Inch'Allah. Allons-y, qui tire au sort? Allez, une Stéphane, une autre Natalia, qui d'autre? Arthur, Marie. Allez, Marie. Très bien. Allez. Arthur, tu es le plus proche, commence à faire l'essai. Non, celle d'Arthur ne fonctionne pas. Eh non. Natalia, toi, vas-y. Allez. Non. Essaye. Oui! C'est la Bulgarie qui nous a porté bonheur. Bien joué. Ah, c'est beau. Ah, super. C'est beau. Très bien. Mais tu as dit quelque chose. Qu'est-ce que tu as dit d'ailleurs? En bulgare. Des petites incantations de sorcières bulgares. Ah, très bien. Non, ça marche. A marché. Pour toi, ça n'a pas marché, mais pour l'équipe, ça a fonctionné. Passe-partout, passe-temps, procédons à la pesée. Et du coup, c'est un peu plus lourd. Allez. Mais c'est pas mal. Ça m'a l'air joli quand même tout ça, regardons. 10 670 euros. C'est très une bien. Attendez, non, franchement, par rapport au temps qui vous restait, c'est une très belle somme. C'est une belle somme, Julien. Vraiment. De plus, vous avez été de bons candidats, vous nous avez fait vivre de beaux moments, et entre autres avec ces fichus clés que vous avez récupérées en totalité. On était très heureux de vous avoir avec nous, à bientôt sur ce fort. Merci. Et bravo encore pour cette expérience, et surtout bonne chance pour vos carrières respectives, à bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bon, bah écoutez, félicitations, vous avez quand même effectué un joli parcours. 7 clés pendant les épreuves avant la fin du chrono, 3 indices pendant les aventures, plutôt pas mal. Bon, c'est un peu cafouillé pendant les duels, mais peu importe, 10 000. Combien? 670 euros, c'est quand même une jolie somme qui revient à l'association. Vous pouvez être fiers de vous. Et tu vas en sourire là. Quand même. Combien vous espériez gagner? 30. Ça arrive rarement ça sur le fort, 30 000. C'est très bien, on a gagné. Bon, en tout cas, c'est une jolie somme que vous ne vous partagerez pas, on est d'accord. Tout ça revient à l'association. Qui souhaite en parler avant qu'on se quitte? Labonnaction.com, un site internet très simple. Si vous faites des achats sur internet, faites-le à travers labonnaction.com. Parce qu'il y a une partie de ce que vous allez acheter sur les différents sites d'achat qui sont sur le site. En cliquant dessus, vous allez acheter sur un site marchand. Ce site marchand, vous achetez quelque chose. Il y a un pourcentage qui est reversé à labonnaction.com qui redistribue à l'enfance défavorisée, qui redistribue pour des enfants au Vietnam, qui redistribue pour acheter des couches, du lait, des actions très simples. Tout est expliqué sur le site. Donc le mieux, c'est d'aller sur le site www.labonnaction.com. C'est une vraie bonne action. Et c'est ça fait coûte un pas geste d'argent. Qui ne vous ça coûte, coûte rien. Ça coûte pas d'argent, c'est ce que vous dites. Ça ne coûte rien. Bon, on peut rajouter ce joli magot en tout cas. Super. Tiens, je te le confie. Bravo à Merci. Vous. Et puis je vous rappelle chez vous, bien entendu, que vous avez la possibilité de faire monter les enchères en tentant de remporter ce t-shirt dédicacé par toute l'équipe. Le site de France 2, vous le connaissez, www.france2.fr. Envoyez-nous vos dons, l'association en a besoin. Merci beaucoup pour votre générosité, pour votre implication. Pour dire au revoir, regardez, c'est là que ça se passe. Ciao à tous, excellente fin de soirée sur France 2. Bye bye. Bye. Allez, je vous raccompagne. Ce soir, nos candidats ont surmonté le pire pour ne donner que le meilleur. À bientôt pour de nouvelles aventures. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort.